السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تقنية ومعلومة مع سلسلة فرونسي فاسيل. غادي نشوفوا في هذا الفيديو بعض الاختلافات أو الفروق ما بين جوج ديال الأنواع ديال لي زوموفون غراماتيكو. كنعرفوا بأن لي زوموفون غراماتيكو هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس الطريقة ولكن كيتكتبوا بطريقة مختلفة. كنفرقوا بيناتهم بلي ريغل دو غرامير. أول حاجة la différence entre les adjectifs démonstratifs, on a ce, cette, c'est ou cette. Fache qu'un brun a deux chiquillements. Lié à la nature d'elle, un nom masculin singulier qui installe le ce. Par exemple, ce garçon est gentil. Un garçon est un nom masculin singulier. Aussi, quand on a ou ce par cette avec un seul t. L'ihtahiya détermine un nom masculin singulier. Mais, fash ki kun hadak le nom ki ibda une voyelle ou un H muet. Par exemple, on dit cet avion, cet arbre. Edna avion ou arbre est un nom masculin singulier li ki ibda une voyelle. On dit cet hôpital. Ou cet hôtel. On dit aussi hôpital et hôtel qui est un H muet. Fache qu'on va obtenir un nom féminin singulier. Qu'est-ce que c'est? Avec deux T. Il y a un adjectif démonstratif qui détermine un nom féminin singulier. Par exemple, cette fille est belle. Une fille est un nom féminin singulier. Fache qu'on va obtenir elle est le genre, soit qu'un féminin, soit qu'un masculin. Mon petit coup de jamais. Qu'est-ce que il y a un adjectif démonstratif qui détermine un nom masculin ou féminin pluriel. Par exemple, ces filles, ces garçons. La différence entre les homophones grammaticaux, qu'elle, qu'elle et qu'elle. Qui m'a dit que les homophones grammaticaux, ou mal qu'ils mettent les quêtes, nous trouvons ولكن كيتكتبوا بطريقه مختلفه دونك كيل كيل اي كيل سون دي زوموفون غراماتيكو اي سو برونونس دو لا ميم فاصون مي اون دي فونكسيون اي دي سونس ديفيرون ملي كيكون عندنا ان نو ماسكولين سوا سينغولير سوا بلوريال كنستعملو لو ديتيرمينون انتروغاتيف كيل الا كان بلوريال كنزيدو لو اس ou là, mais qu'on a aussi un nom féminin, qu'installe le déterminant interrogatif et exclamatif, qu'elle soit singulier, soit pluriel. Le bonheur pluriel réside dans le S qu'elle. On a aussi qu'elle, il y a composé de deux mots. Une conjonction de subordination, il y a que, plus un pronom personnel. Donc le pronom personnel réside dans le coup elle ou l'air dans le coup il, avec S, là, c'est le bonheur droit là le pluriel. Donc, instinctu bien, quel ou quels, ce sont des déterminants interrogatifs ou exclamatifs qui accompagnent un nom, soit féminin qu'un tableau, quel avec deux L E, et là qu'un pluriel résidul S, soit masculin qu'un tableau, quel avec un seul L, et là qu'un pluriel résidul S. Qu'un tableau, quel, fais-je qu'un breu, n'trahou, sous L, à la nature ou bien l'identité d'une personne ou d'une chose. Aussi qu'on s'aime le tajoub ou qu'on s'aime le aïdal l'indihash. Par exemple, quelle belle journée! Quel examen passes-tu aujourd'hui? On dit journée est un nom féminin singulier, donc ça me s'appelle avec deux L E. On dit examen est un nom masculin singulier, ça me s'appelle avec un seul L. La phrase loula est une phrase exclamative et la deuxième phrase est une phrase interrogative. Quel ou bien qui m'a gouna kubila est composé de deux mots. Une conjonction de subordination, il y a que, suivi du pronom personnel, elle ou bien il. Donc, on va utiliser les autres pronoms personnels. Vers où on va dire l'apostrophe, qui m'a gouna kubila. Que avec apostrophe, qu'on dit que nichen. Par exemple,
il faut qu'elle voie cette magnifique voiture. Donc, il faut que vous voyez cette magnifique voiture. On dit aussi, je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. Les pronoms personnels par un nom propre. Par exemple, je veux que Lina vienne à mon anniversaire. Elle, d'accord? Je veux que Sami vienne à mon anniversaire. Aussi, il, Sami. Qu'est-ce aussi? Quel ou bien qui pour exprimer un souhait ou bien pour éviter la répétition. Je fais l'exemple. Je souhaite qu'il vienne à mon anniversaire. Lina est ma meilleure amie. Je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. La première phrase exprime un souhait. D'accord? Ou la deuxième phrase, dans la répétition. Lina est ma meilleure amie. Place l'angoulaoud. Lina, je veux que Lina vienne à mon anniversaire. Goult, je veux qu'elle vienne à mon anniversaire. J'espère que j'ai expliqué comme la différence entre les homophones grammaticaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.